Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Lost in Random, live, sous la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Oh, you're new here. Ah, tu es nouvelle I'm ici, je suis désolé pour sorry. toi. Tout le monde est mort ici, ce sont des frères Sack qui ont fait tout ça. Everything dies Tu here. meurs à petit feu There's no ici, pas la light, lumière, pas la no nourriture, tout ce qu'on peut food. faire est All mourir. we can do is die. You don't know the story, Tu ne connais pas leur do you? histoire, non? Ils voulaient juste retrouver le frère, ils m'ont piégé. Ludo. Ludo, That may avec un have peu de actually chance, been c'est peut-être true. vrai. They are brothers, Ils sont and they vraiment weren't frères, mais always ils n'ont this pas way. toujours été comme ça. Long Il y a bien ago, longtemps, they ils se sont ventured aventurés deep dans une into a forêt forest to a inexplorée. place none had gone before. Some say Certains they disent qu'ils ont disturbed some réveillé une great entité evil there. maléfique. They found this Ils ont trouvé un bag sac sur une resting souche au on a beau milieu stump d'une in a clairière. clearing. Or it found Ou them. plutôt, le sac qu'ils ont It's trouvé, c'était un sac bottomless, sans you fond. know. But it hates itself. Mais It wants to il rêve be d'être plein. full. The bag twisted Le the sac a brothers. It perverti les frères, ils changed sont them, possédés, zested affamés, et them, veulent toujours plus. made them hungry for more and more. The bag demanded Le they sac les build oblige à remplir de whatever they tout could ce qu'ils find. trouvent. Au début, First c'était de dirt, simples cailloux, then mais depuis le rocks. jour où le sac a But découvert le once the goût de la bag chair, got a taste for flesh, faut faire quelque chose. we all started Ouais, like c'est ce qu'on that. pensait And tous au now, début, et maintenant, well, regarde-nous. just look at us. There's nothing Aucun that de nous any of peut. us C'était quoi can. ce bruit? What's that? Quel bruit? Oh no. Oh non, non, Oh ils arrivent, ils no. arrivent! They're coming. They're coming! Père. Oh, Tu es pris au eternity piège, père. Tu ne sortiras jamais d'ici. Bientôt, tu dormiras. Mais avant cela, tu vas nous donner ce dé. Your bones, even. It wants your soul. The bag can shut up any time it wants. Thank you.
Anything you do just makes your life worse. And everything you do hurts the ones you love. You lost your humanity a long time ago, idiot. We'll take everything we want. This far by being afraid of people like you? Et voilà! Boum!
Je suis là, père. Hein, père, où es-tu? Par ici, père. Père, je t'attends. Qu'est-ce que tu fais, père? Je suis là, père. Viens me chercher. Tu devais vouloir sauver, père. Tu n'as même pas été capable de sauver personne. Tu m'as abandonné, père. Tu m'as laissé seul, seul, elle. Regarde ce que j'ai fait par ta faute. Il ne reste plus rien, père. Tu es trop tard. Tu arrives trop tard. La petite fille du Nainbourg. Qui ça, cette jeune père dont vous n'avez pas parlé? Vous êtes sûr que c'est un vrai nom, ça? Et son prénom, c'est quoi? Fio? Non, c'est père, son prénom. Faites-le monter à bord, Sa Majesté saura comment la faire parler. Ah, ils ont kidnappé voix loin. Hey, Even. Salut, père. Te voilà enfin. Père, je suis tellement content de te revoir. Ah, si tu étais vraiment pressé de me voir, pourquoi as-tu mis si longtemps pour arriver jusqu'ici? Nous devons partir vite. Je vois que tu me laisses ici tout seul pendant une éternité et maintenant je suis censé te suivre sans rien dire. Tu te moques de moi? Tu m'as abandonné, père. Tu m'as laissé à la dérive dans ce monde de cauchemars. Et tu sais quoi? J'ai appris à nager. Père, attends, je ne voulais pas. Mais tu voulais quoi, ou j'espère? Partir à l'aventure? Est-ce que je suis un prétexte, une bonne excuse pour voir du pays? La reine m'a tout dit, tu sais. Elle m'a raconté tes petits exploits, mais pendant que tu prenais du vent, moi j'étais coincé ici à souffrir. Mais père, non, écoute, j'ai fait tout ce que je pouvais.
tout ce que tu pouvais, vraiment. Were you doing everything you could when you were meeting royalty in Et tes petites manigances avec le maire, et tes courbettes devant le noble de Tréville, ça t'a plu? Ne me prends pas pour une idiote, père. Tu m'as abandonné, la reine m'a tout raconté. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Peut-être que tu voulais mourir. Une belle fin tragique que t'aurais rendu tellement plus intéressante aux yeux des habitants du Nimbourg. Écoutez la triste histoire de la brave père morte en voulant sauver sa sœur. Mais non, pas du tout. Et un sens, je devrais te remercier. Grâce à toi, je sais enfin qui je suis. Père, tu t'entends ce que tu dis? Ce n'est pas toi qui parles, je sais. Au contraire, c'est bien moi. Je sais enfin qui je suis. Peux-tu me dire autant, père? J'ai trouvé un foyer, mon vrai foyer. La reine est stricte, oui, mais elle ne m'abandonnera jamais. C'est quelque chose que tu pourras vraiment enlever, cher soeur. Tu ne pourras pas. Je ne veux pas être sauvé. J'ai changé, père. Et serait temps que tu changes, toi aussi. Le dé unique apporte l'ordre. La reine apporte l'ordre, mais toi, tu n'es rien d'autre qu'un agent du chaos. Où est passé Decise? Appuyez Y pour la rappeler. Havre de paix. Je n'ai rien demandé, moi, vous savez. Au départ, je voulais juste sauver ma sœur et ensuite j'ai voulu rentrer chez moi, mais maintenant... Je ne sais plus vraiment. Et c'est quoi ton problème, petite? Je suis mort. Je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Ça, c'était toi. C'est toi que j'imitais. Mais je... Peut-être que ta sœur est une cause perdue ou peut-être pas. Mais moi, à ta place, si j'avais un dé incroyable, j'avais encore plus puissant au fil des temps, je ne serais pas en train de m'épitoyer sur mon sort. Je serais en train de botter les fesses à la reine, quoi qu'il en coûte. Tu as un super pouvoir, fillette. Ne gâche pas ta chance, élimine la reine et sauve le monde. Tu crois que ça me plaît de faire passer des enfants morts sous l'eau de rive? Je n'ai pas juste ça à faire, tu sais. Tu peux y arriver, père. Sèche tes larmes et reprends courage. Tu peux y arriver, père. Sèche tes larmes. Parce qu'on dirait bien que c'est la dernière étape. Et au fait, joyeux 12e anniversaire, petite. Décidé enfin revenu au véritable dé à 6 faces, ils étaient désormais prêts à envoyer du lourd. Père était de retour, plus déterminé que jamais, sauver un maximum de personnes des griffes de l'horrible reine. Et c'est tant mieux, c'est une histoire beaucoup plus intéressante à raconter. De l'autre côté de cette porte, silencieuse depuis longtemps, abandonnée, père allait trouver sa destinée. Quelle qu'elle soit. Et elle avançait vers elle avec détermination. Comment es-tu arrivé ici? Personne n'est passé par cette porte depuis des éternités. Tout va bien, mon enfant. Tu fais une sacrée chute. Oh yeah.
come to the wrong place. I've got cards, though. Oi, oi, looking to get an invincibility potion, are you? Well, you've come to the wrong place. I've got cards, though. Oi, you there. Hey, toi là-bas. Salut. Yeah, you. Oui, toi. Je t'ai vu, je ne sais pas comment tu as fait, mais tu as passé par la porte bloquée. C'est interdit par le règlement, petit. Cette porte a été reclassifiée en mur. Tu comprends? Je ne comprends pas ce que vous attendez. Désolé. Tu le seras bientôt, petit. C'est interdit par le règlement. Je suis qu'une petite fille. Une petite fille peut être, peut-être, mais avec un dé. C'est un vrai, n'est-ce pas? Tu as un vrai dé à vous. Ouais, vous avez intérêt à ne pas être tranquille si vous ne voulez pas que je m'en serve. Garde, garde, il y a une vilaine petite fille avec un dé ici. Salut, Wild One. Ça va, merci. Qu'est-ce que tu fais de bon, mon Wild One? Ah ouais? Football Manager. T'as passé le nouveau eFootball 2002? Je pense qu'il reste à 1$ pour 3 mois, moi je me tremble. Peut-être que c'est juste un mois aussi. Il est dans l'Xbox Game Pass, ce jeu.
Tu as gagné, tu as écrasé sans forcer. Éloigne ça de moi. Et pourtant, vous êtes encore là à me barrer la route. Vous êtes le prochain sur la liste. Non, non, écoute, petit, toi et moi, on est partis du mauvais pied. Prends cette carte, d'accord, s'il te plaît, elle a beaucoup de valeur et je voudrais te la donner, je m'excuse. Et pour te prouver mon estime, toi et ton cube, vous avez toute mon estime. Ok, je m'en vais maintenant pour toujours. Je vais méditer sur mes choix et vivre une vie longue et paisible, d'accord? Le mystère créature de peau venue à la dimension apparaît. Il y a 5 endroits à y aller. Comment je peux savoir laquelle aller? Alors, par la première, c'est tout. Ils se rejoignent toutes de toute façon. L'histoire est belle, cette histoire-là. Mais d'où vient tous ces déchets? Pas d'ici, certainement. Merci. Oh, un combat! Là, au niveau des combats, c'est le... Tu dois attraper les cristaux qui... Quand tu vois la carte en bas à droite, là, quand tu es rendu à 6 cartes, t'es à main pleine. Là, tu peux te battre. Et tu dois acheter des cartes. Donc, pour avoir des meilleures habilités. Tiens, là, j'ai eu... C'est plein. Là, je choisis. Là, j'ai tombé un 4. Là, ça va me donner un de plus. Je suis rendu à 5. Ça, cette carte-là fait diminuer toutes les cartes de une. Là, je suis rendu à 0. Ça, ça donne à rien. Ça donne plus rien. J'ai pas eu bonne carte, c'est ça. Celle-ci, les valeurs des cristaux augmentent. Ah merde! Je ne campe. J'avais pas vu que les chocs. Oh là! Et voilà. Et football, tu fais quoi là-dedans? Il n'y avait rien dans mes cartes. J'avais la bonne carte, mais j'ai pas assez.
Ok, mais tu joues pas, ça se fait que les contrats des choses de même. Ouais, voyons. Moi, je peux comprendre qu'il y a des joueurs, que des personnes qui trouvent un intérêt là-dedans. Les habitants auraient peut-être quelque chose d'intéressant à partager. Exact. Une quête secondaire, ça m'intéresse pas. Quand c'est vert, c'est une quête secondaire, ça m'intéresse pas. Voyons. Moi, c'est le jaune que je cherche. Et tout est proche, père. Plus proche que jamais. Viens, trouve-moi. Je connais cette voix. Je l'ai déjà entendue quelque part. Dans un rêve, sans doute. Dans un rêve, car les pauvres narrateurs que je suis ignorent ce qui se passe dans les rêves des personnes. Narrateur omniscient à la troisième personne, mon œil. Elle est là? Non. Peux-tu me parler? J'ai presque oublié mon ancienne ville. C'est quoi ce langage? Je peux aller par là? Moi, j'ai des bons souvenirs auxquels elle m'a raccroché, ouais, ok. D'autres choses? C'est bien bizarre, ça. Ah, c'est en bas, faut que je vois, d'après moi. Je vais pas acheter de cartes. Toi, qu'est-ce que tu veux? J'ai lu des histoires de l'ancien temps, mais j'ai dû arrêter, ça me faisait trop mal. Oh, tiens. Et des fois, les cartes en masse, c'est incroyable.
Je te rappelle dans 20 minutes, je suis occupé. Ouais, bye. C'est trop fou là. Bon, allez, dormons. You've arrived, Demon. Soon you will find your voice. Et voilà. Salutations, bonjour, père. Demon. I am the Je suis le visionnaire. Comment connaissez-vous mon nom? Le temps n'est pas une ligne droite. Tu m'as déjà dit, tu l'as déjà dit dans un futur depuis longtemps révolu. Je t'observe depuis longtemps déjà. Je savais que tu finirais par venir ici pour me rencontrer. Père trouvait tout cela difficile à croire. Après tout, ce drôle de bonhomme flottant lui mettrait peut-être. Il lui mentait sûrement. Je vous en prie. Vous croyez peut-être que je vous vois pas. À qui parlez-vous, monsieur le visionnaire? C'est important, père. Oublie ce que je viens de te dire. Le temps presse. Je vais donc me montrer étonnamment. Direct. Je suis l'un des légendaires faiseurs de cartes. Nous étions cinq jadis, nous sommes cinq aujourd'hui. Ensemble, nous avons créé d'innombrables cartes. Vous étiez responsable de ce secteur d'Aléa qu'on appelle Quintopolis, jusqu'au jour où la reine décida de bannir tous les dés avec eux. Toute étincelle de créativité, à présent, nous sommes plus que de simples exécuteurs au service de la reine. Grâce à ton dé, tu détiens le pouvoir de vaincre la reine et rétablir l'ordre des choses. Les règles qui étouffent Aléa depuis tant d'années doivent être effacées. Pour que le véritable hasard retrouve enfin sa place, cependant, le futur change, évolue sans cesse. Tu es une crise, père, mais aussi une opportunité pour les deux camps. L'avenir se dissimule à moins derrière la trame du tapis, mais je suis sûr d'une chose. Pour vaincre la reine, tu auras besoin d'une carte très spéciale.
Trouve les autres faiseurs de cartes, libère-les ensemble. Façonnera une carte qui ébranlera la fondation même de Sixtopia. Nous créerons pour toi la carte de tes rêves. Suis ma vision et te mènera la deuxième faiseur de cartes. Peintre en personne. Ce que je te tantôt. Et tiens, prends ça pour te servir. Mais vous êtes sûr que vous n'en avez pas besoin? Une véritable visionnaire n'a pas besoin de ses yeux pour voir loin. Par à présent, j'en ai déjà trop fait. D'accord. Allez, encore 15 minutes de jeu. J'ai vu qu'il y avait quelque chose ici. Toujours là, Wild One. The visionary seemed credible. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le visionnaire semblait digne de foi. Peut-être pouvait-il vraiment voir ce que les autres ne voyaient pas, ce qui est plutôt inquiétant. Le père avait appris que ce ne pas craindre l'inconnu et poursuivit donc son chemin vers la peine. Bon, l'histoire en grande ligne, c'est que la reine a pris le contrôle. Elle a éliminé toutes les dés et elle a gardé un dé pour elle. Le dé, qu'est-ce qui sert? C'est à chaque fois que tu as 12 ans, il y a 6 villes de 1 à 6. Elle a été voir la sœur de père qui s'appelle Impère, avait 12 ans. Donc elle a été la chercher. Elle lui a fait tourner le dé. Puis le dé, qu'est-ce que ça sert? Ça sert à être requête. Donc tu vis dans une ville à 12 ans, mais quand dès que tu pognes 12 ans, le dé te dit dans quelle ville tu dois aller. Donc tu tournes le dé, puis si tu pognes, t'es dans la ville 1, puis tu pognes la ville 6, ben tu t'en vas vivre dans la ville 6 pour le restant de ta vie. Pépère, elle est partie chercher sa sœur. Père et Décise étaient enfin arrivés à Quintopolis. C'était là, dans le cœur magique d'Aléa, que les cartes qui façonnaient autrefois le monde étaient confectionnées. La ville n'était plus désormais que l'ombre d'elle-même, une usine froide et lugubre. Utilisée à ses fins, bien moins avouables. Je
facile. Je suis curieux de voir ce qu'il y a là, par exemple. Manny Dex here, card enthusiast and living store at your service. Nous retournons tout. I'm busy. Je n'ai pas le temps. Mais c'est le visionnaire qui m'envoie. Et moi, je suis la duchesse du royaume. Laisse-moi tranquille maintenant, j'ai beaucoup à faire. La reine a enlevé ma sœur et je vais la sauver. Si ça suffisait d'une juste cause pour renverser ses ennemis, tous ne serions pas ici. Et maintenant, Phil, je vous en prie, j'ai besoin de votre aide. Je vous en prie, nous ne pouvons pas gagner la reine. Il ne faut pas laisser gagner la reine. Écoute-moi bien, petite, je ne répéterai pas. Nous ne pouvons pas gagner. Sais-tu pourquoi? Parce que la reine a déjà gagné, ce qui veut dire que nous avons perdu, petite. Nous avons perdu et nous perdrons encore et encore tant qu'elle ne sera pas laissée de la victoire. Pas laissée de la victoire, autant dire. Que ça sert à rien. J'en ai vu passer des individus comme toi, persuadés d'être différentes, spéciaux, capables de tout résoudre d'un claquement de doigts. J'en ai même aidé plusieurs et pour quel résultat? La défaite chaque fois, et moi, je reste coincé ici, obligé de peindre de folles inventions pour la reine au lieu de créer les cartes magiques. La seule différence, c'est que votre triste vie est écourtée, que mon pauvre cœur saigne un peu plus. Je ne peux plus supporter, donc non, je ne t'aiderai pas. Et maintenant, si tu veux bien, fiche-moi le camp. Je ne rentrerai pas aussi facilement, et décise non plus. Là, on va voir un dé, hein, un dé? Oh, mais où l'as-tu trouvé? Ça change tout. Un instant, petit. Deux coups de pinceau, bing bang. Et voilà, parfait. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais c'était du rapide. J'ai peint la carte de tes rêves, jeune fille. Pour tout te dire, ça m'a fait un bien fou de peindre autre chose qu'un des affreux. Bien sûr, la reine sera furieuse quand elle l'apprendra. Tu nous auras débarrassé d'elle avant cela, n'est-ce pas? Je ne comprends rien à ce que c'est pas. Je suis dans le... dans un petit... Je ferai de mon mieux. Oui, j'en doute pas. Ta carte de rêve est désormais entre tes mains du color. C'est ta prochaine étape. Le color. C'est un vieux collègue, un faiseur de cartes aussi. Il est peut-être le plus important d'entre nous. As-tu d'autres questions, enfant? Venez avec moi, aidez-moi. Je ferai quoi de la carte de mes rêves? Le visionnaire pourrait en dire plus, mais il n'a pas un caractère facile. Ou le maître des règles, peut-être. Quant à moi, tout ce qui s'intéresse, c'est la peinture. Je n'ai plus de questions, je crois. Fais, petite. Le colère t'attend. Le peintre avait accompli son travail et le père s'est dirigé vers le colleur. Il se trouvait dans une situation inconfortable et j'osais dire qu'elle colle. C'est bien là, j'ai aucune idée où aller. À chaque pas, se rapprochait un peu plus du cœur ténébré de la Quintopolis. Où se trouve le colleur? J'ai regardé une histoire, vous ne pouvez pas... Mais qu'est-ce que vous... Ne me tuez pas. Non, 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 au secours, à l'aide, père. Ah, attends, ça fait kidnapper, je pense. Je ne sais pas, d'essayer tout d'un coup, je suis senti très seul.
in a way I celle-là est difficile à expliquer. If that makes sense. J'ai la chance de t'avoir. L'histoire de la petite fille prenait soudainement un tour bien puissant. Je viens de voir un énorme frisson. J'ai un mauvais pressentiment d'ici. Je sais que c'est là qu'il faut aller. La prudence de la fille se trouvait bien loin de chez elle. Elle commençait à comprendre qu'elle avait fait et sentait montrer en elle le désespoir. Je ne comprends pas ce qui m'arrive ici. Je me sens bizarre, fatigué. Sauvegarde, j'ai faim. Père commence à ressentir la profondeur de l'attitude qui faisait ici, au juste. Pourquoi ne pas rentrer chez elle et mourir? Je n'abandonnerai pas, je n'abandonnerai jamais. Ah, la reine est rendue narrateur, elle a donné une volée à l'autre. Aussi belle que j'espérais, la ruse rappelait une vérité universelle. Père ne pouvait jamais vaincre la reine. Elle avait autant de chances de gagner que de renverser une montagne en soufflant. Le faiseur lui avait confié une tâche digne. Une quête sans espoir. Aller là. Ouais, c'est bien. Ben, un autre combat. Et la porte va me former sous mon nez. Oh! C'est un boss. Père savait qu'elle n'avait pas la moindre chance de gagner. Le mieux qu'elle avait à faire, c'était de survivre. Je sais, Dicey, je n'abandonnerai pas, je te jure. Détestait l'idée de combattre presque autant que tout le monde la détestait. Bah. Oh shit! Je pense qu'elle bougeait. Thank you.
poste, ouais. Ah, oh, la nulle, mes dents. Maintenant qu'elle m'a mêlé, elle. Pogne ça dès le début, ça frappe fort ça. Et voilà. Excellent. Non, c'était tout pour l'aventure du jeu Lost in Random, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!